globalizacija donosi nove poslove, a vidjet ćete, u tome bi Hrvatska sa svojim Jadranom mogla imati jednu od vodećih uloga. Ça a commencé comment ? Bah, j'étais skipper moi-même, skipper professionnel, et je me suis rendu compte que, en fait, on comprenait pas la réglementation des différents bateaux, pays, etc. Je savais pas ce que j'avais le droit de faire avec mon diplôme pour travailler en conformité avec la législation. Ça veut dire que les lois sont différentes. Exactement. Dans le golfe du Mexique et... En fait, en fonction de la nationalité du bateau sur lequel on va travailler, si on travaille sur un bateau croate en France, on doit respecter la législation croate et pas la législation française. Et donc, elles sont différentes en fonction de chaque pays. Et en échangeant avec les différents skippers, je me suis rendu compte que personne respectait la loi. Et donc, je me suis dit qu'il y avait un besoin pour de permettre aux gens de travailler dans le respect de la loi. Donc, c'est comme ça qu'on a créé Captain Boat. En pratique, ça veut dire que si quelqu'un doit ramener un bateau du golfe du Mexique jusqu'à la Méditerranée, un skipper doit avoir la légalité de le faire. Alors vous cherchez un skipper, parce que personne ne peut passer un examen en deux jours. Vous êtes une bourse de skipper. Oui, nous, aujourd'hui, notre métier, c'est de contrôler les diplômes et les formations des différents skippers qui s'inscrivent sur notre plateforme pour ne leur proposer que des missions qu'ils ont le droit de réaliser. Et donc on a des skippers un peu partout dans le monde, et donc du coup c'est la force, c'est d'être décentralisé de l'internet, et du coup d'avoir des skippers en Croatie, au Mexique, en Turquie, en Israël, en France, en Italie, enfin voilà, un peu partout. Et voilà, et vous suggérez, ah, il y a un travail là-bas, et allez-y là-bas, et vous prenez une commission. Exactement. La Croatie, elle joue un rôle dans toute cette affaire ? En fait, la Croatie, la Méditerranée, c'est 80% de l'allocation mondiale. Mm-hmm. Et la Croatie, c'est 40% de l'allocation de la Méditerranée. Répétez. La Méditerranée, pour la location de bateaux, représente 80% du marché mondial. Et la Croatie, à elle seule, c'est le pays qui a le plus de location de bateaux en Méditerranée. Donc, près de 40%. Donc la Croatie dans le monde, c'est un tiers. Bah, pas loin, pas loin. Aujourd'hui, c'est un des pays qui propose le plus de bateaux à la location et le plus de charters. Donc la Croatie est clairement un pays qui est très important pour nous, pour la location de bateaux avec skipper. Uz ovu firmu za unajmljivanje skipera na istom katu smještena je još jedna, koja iznajmljuje brodove. Komplementarni su i rade zajedno, nema konkurencije. À cet étage, combien de jeunes gens, je vois que sont tous jeunes, combien de jeunes gens travaillent ? Il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent là-dessus. Camera, là. Ah, voilà. Mathieu, interview, take one. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Alors moi, je suis en alternance, en commercial. Ça veut dire que je vais 3 semaines au bureau et 1 semaine en cours. Et ça pendant 2 ans. Plus de pratique que de théorie. C'est ça. En fait, j'ai fait 3 ans du coup d'école normale et mon master se déroule en alternance maintenant ici à Captain Boat. Et pourquoi vous avez choisi ça et pas une grande compagnie, une banque ? Bah, moi, je voulais vraiment faire une start-up parce que je voulais avoir une expérience assez variée. Et j'avais peur que dans une grosse boîte, j'allais avoir une tâche fixe et que j'allais pas faire... Voilà. Ici à Captain Boat, vu que c'est quand même une petite entreprise, j'aide en marketing, je fais du commercial, j'aide le boss, je fais un peu de tout. Et du coup, j'ai l'impression que j'apprends plus que si j'aurais fait une alternance dans une plus grosse entreprise. J'ai entendu que vous étiez aussi une part de vos études que vous l'avez fait à Zagreb, en Croatie. C'est ça, à Zagreb. J'étais après mon bac. Je suis parti 1 an à Zagreb étudier au RIT, qui est le Rochester Institute of Technology à Zagreb, qui est près du quartier de Kaiserica. Et oui, je suis parti 1 an. Mais c'était en anglais, non ? C'était en anglais. C'était en anglais, il y avait un cours en croate. I nešto ste naučili hrvatsko. Pa naravno, da. Pričam ja dobro hrvatski. Dobro sam naučio, da. Išao sam par mjeseci u Argentini, pa sam tamo naučio španjolski. Bio sam godinu dana u Zagrebu, da sam naučio i dobro hrvatski. Engleski znam od škole. I da, to mi je pak velika sreća što, evo, sa takav neki posao gdje se bavimo, baš internacionalno. Mogu pričati sa Španjolcima, mogu pričati sa Hrvatima, sa Englezima. Uvijek je lakše kad se dobro razumijemo sa ljudima nego kad je malo nešto ono teško, pa... Moja generacija je nešto mlađi od mene, a ti su već dosta stariji, su imali običaj reći
Francuzi ne vole govoriti strane jezike. Kad im nešto kažeš na engleskom, oni onako odmah ljuto odgovaraju na francuskom. Je li to istina? Ova vaša generacija? Mislim, ova generacija malo bolje priča engleski, barem moji prijatelji nešto znaju, ali jeste istina da je... da Francuzi samo voli pričati francuski i neće se truditi da nauči neke druge jezike. Imam sreće što u mojoj obitelji pričamo par jezika, pa sam možda ja od malena nekako imao u sebi da idem ja prema tome da naučim i da naučim ja druge neke jezike. Usporedba Pariz i Zagreb. Mirniji je grad ipak u Zagrebu. Malo su ljudi više opušteniji. I brže se stigne do onog mjesta gdje ide. Pa brže se stigne, da ipak je dosta manji grad. Pariz je, dobro, Pariz nije ni toliko velik grad, ipak za 2 sata pješke se radi, se obilazi cijeli grad. 2 sata pješke, ljudi moji, 2 sata pješke.